Chers amis, bonjour. Nous sommes dans le sud de la France, à Saint-Tropez, et c'est le meilleur endroit pour vous présenter le nouveau magazine Playboy. Alors je dirais aussi chers ennemis, car je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Alors chers amis, chers ennemis, dans cette vidéo, je vais vous raconter tout le magazine Playboy au soleil, nu, tout nu et tout bronzé. Alors, on va prendre un petit cigare. On va vous raconter un peu cette aventure extraordinaire et ce magazine qui est depuis hier dans les casques. Alors, le nouveau numéro de Playboy, il est là. Il y a deux couvertures. Ça s'appelle une couverture avec Michel Polnareff et l'autre couverture avec Brigitte Bardot. Il y a un peu de soleil, donc on va mettre les lunettes. Alors, tout d'abord, ce numéro, pourquoi il faut tout de suite aller l'acheter dans les kiosques? Écoutez, le papier, encore, on ne sait plus pourquoi on achète du papier. Tout le monde aujourd'hui achète de l'internet, va sur des sites, sur les blogs. Je pense que le papier permet de faire des choses vraiment punk qu'on ne peut plus faire sur internet. Parce que sur internet, on n'a pas la même liberté. Parce que sur internet, tout saute. Parce que sur internet, dès qu'on dit des choses, ça saute pour la vie privée, pour machin, etc. Dans le papier, on peut avoir une liberté absolument totale. Et c'est pour ça que je pense que dans ce numéro, et c'est pour ça qu'il faut se jeter, mais se ruer dans les kiosques, parce que c'est un objet, j'ai envie de dire, inflammable, dangereux, un objet extrêmement contendant, c'est une arme de catégorie 1, ça devrait être interdit aux mineurs, ça devrait être interdit aux personnes sensibles, ça devrait... parce que c'est un magazine inflammable, inquiétant, qui a des révélations détonnantes, des articles que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je suis très très fier de vous le présenter. Attendez. Quoi? Regarde. Bah, elle est où? Regarde. Ah non. Je coupe? Non. On coupe. Ouais, c'était parfait le début. Merde, je l'ai vu s'envoler, mais j'étais impuissante. Lisible? Quoi? Lisible? Oui. On peut laisser, non? J'ai une maison. Alors, ce numéro de Playboy, il y a deux couvertures. Une couverture avec Brigitte Bardot et l'autre couverture avec Michel Polnareff. Et on est très fiers pour ce numéro, nous avons mis pour la première fois un trans en couverture. En fait, si vous êtes un homme hétérosexuel, vous pourrez acheter la couverture Brigitte Bardot que je vais montrer là. Alors que si vous êtes une femme ou un homme inclusif, et homosexuel, vous pourrez acheter la couverture Polnareff avec un jeune transsexuel en couverture déguisé en Michel Polnareff. C'est donc avant tout un magazine inclusif. C'est important, vous voyez, d'avoir, de respecter les LGBTQ, LGBTQQ+, LGBT-, de comprendre tout le monde, vous voyez. On a mis une couverture pour les nanas et une couverture pour les garçons. Alors comme on est un magazine masculin, une couverture pour les hommes qui préfèrent les garçons, et vous avez même une femme et un homme, voilà.
Ce numéro, je l'ai concocté avec mon meilleur ami qui s'appelle David Esper. On a été tous les deux rédacteurs en chef et je trouvais ça important en France en 2023 d'avoir un bébé qui avait deux papas. Il montrait qu'avec même deux papas, ce bébé n'était pas complètement dérangé, qu'il pouvait quand même être à peu près normal. Bon, certes, il est un peu handicapé, certes, il fait des trucs bizarres, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, dans ce numéro, alors maintenant je vais vous raconter un peu ce que vous pourrez trouver dedans. Vous pourrez notamment trouver un éditorial d'Éric Nolot que je trouve extrêmement intéressant, qui ouvre le numéro, qui nous dit qu'aujourd'hui en France, il a écrit un pamphlet contre Sandrine Rousseau et il nous explique que finalement, on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça a un sens d'être à Playboy. Harcelé par deux totalités d'âge. D'un côté, les wokistes qui nous détestent en disant qu'en représentant des femmes nues, on participe à l'objectivisation de la femme, à dire que la femme est un objet, à dire que la femme n'est pas... voilà, Sandrine Rousseau a dit que c'est pas bien de montrer les femmes nues parce que la femme, elle doit... il faut pas montrer que c'est un objet. Enfin, c'est ça, mais montrer une femme nue, c'est dire que c'est un objet. Il faut... voilà, que ce n'est pas féministe. Et de l'autre côté, les islamistes qui nous disent que les femmes qui ont venu sont des carpins et qu'il ne faut pas montrer de femmes nues. Et finalement, on a d'un côté des woke qui détestent la séduction car ils disent que les dragueurs sont des harceleurs qui nous emmerdent, qui emmerdent les femmes dans la rue, que c'est honteux de séduire. Et de l'autre, les islamistes qui veulent pas non plus que les femmes se fassent draguer. Et dans ces mêmes camps, il y a finalement une haine du corps, une haine de la sexualité, une haine de ce qui fait le fondement de notre civilisation, une haine de l'amour courtois, une haine finalement de ce qui fait le, on va dire, le ciment de notre époque. Et moi, ce que je voudrais faire à Playboy, c'est que montrer des femmes seins nus, aujourd'hui, c'est un acte punk. Aujourd'hui, montrer des femmes seins nus, c'est un acte qui emmerde les woke, qui emmerde les bien-pensants, qui emmerde tous ceux qui veulent nous dire qu'on doit être des petits robots hygiénistes en burqa, qui doivent nous dire que les femmes doivent être des sorcières, comme l'avait dit Sandrine Rousseau, etc. Non, on a des femmes libres, qui sont féminines, qui sont libérées, sans être pour autant dans la haine des hommes, sans être dans la haine du corps. Je crois que Madame Rousseau n'aime pas spécialement les femmes, et je pense que finalement, ces gens-là, se retrouvent très bien. Et je crois que tous ces gens feraient mieux d'aller à une piscine et de voir des femmes seins nus, de boire du rosé, parce que vous avez vu que la nouvelle drogue qui a remplacé tout, c'est le cannabis, qui est fondamentalement une drogue asociale, qui est une drogue qu'on fume chez soi, seul. La drogue est solitaire, alors que l'alcool, c'est le vivre ensemble, c'est la communauté, c'est Dionysos. Et aujourd'hui, pourquoi il y a un lobby pro-cannabis en France? C'est le lobby des banlieues et de la racaille. Mais c'est surtout un lobby, finalement, qui veut que nous ne fassions plus société. Il y avait une phrase de Nietzsche qui disait « Le vin blanc est l'électricité de l'esprit ». Et je pense que tout ça participe de Dionysos, de faire corps, faire société. Et aujourd'hui, on a des gens qui défendent le cannabis, qui veulent préférer qu'on fume seul dans notre coin. Et ça, je trouve ça extrêmement triste. Et c'est pour ça que j'étais très content de mettre ce texte d'Éric Nolot. Alors, je vais parler un peu des autres choses qu'il y a dans ce magazine. Il y a aussi David Vesper, qui est mon meilleur ami, qui a été un grand musicien, qui avait sorti des disques un peu de rock à la Nick Cave, qui avait écrit un livre avec beaucoup de succès au moment du confinement, qui s'appelait « Journal d'un confiné léger ». Nous a fait un très grand article sur Brigitte Bardot, qui s'appelle Brigitte Bardot l'indépensable, et cette idée que Fred Bardot n'a fait aucune concession à personne, vous voyez. Quand Bardot, quand toutes les stars ont une image publique, Bardot elle est au top de sa carrière, elle avait tout devant elle, et Delon il aurait pu s'arrêter après la piscine, il aurait pu s'arrêter après le samouraï. Bardot elle est au top, elle fait ce plus grand film, elle explose, et elle arrête. Ce qui est génial, la meuf, tu vois. Elle a tout, paf, elle arrête, rien à foutre. Elle vous explique, on lui dit vous avez quand même été une grande actrice, elle vous dit oh non, pas ouf. Et surtout, Bardot n'a fait aucune concession, effectivement correct. Vous vous rendez compte que Bardot,
Bon, aujourd'hui, la chape de plomb est tombée, on peut parler plus librement, on peut dire ce qu'on veut. Mais à l'époque, elle sort, il y a 15 ans, un livre absolument terrifiant. Et elle fait aucune concession. Mais comme c'est Brigitte Bardot, elle a le droit, tu vois. C'est ce qu'on dit souvent, il y a que deux stars qui peuvent dire qu'elle vote Front National, à part une troisième que je connais bien. Mais bon, voilà. qui sont Alain Delon et Brigitte Bardot, c'est quand même pas mal, tu vois. Mais, donc... Attends, mon cigare, c'est ça. Mais aucune concession. Et... C'est là où je trouve Bardot beaucoup plus intéressante que Deneuve. Deneuve, c'est une actrice qui, elle s'est prostituée, vous voyez ce que je veux dire. Elle a fait plein de rôles, plein de trucs, elle est dans plein de jurys, elle est mondaine, elle est devenue une grande dame. Bardot, elle s'en fout, elle a fait aucun lifting, elle a tout arrêté, elle vit avec des poules. Elle est, je trouve, une marginale absolue, qui toujours a été à l'inverse de là où on l'attendait. Bardot, d'ailleurs, je trouve en cela extrêmement intéressante. Vous vous souvenez, son premier film, c'était Le Trou Normand avec Bourville, qui était un nanar pas possible, et Bourville, qui était quand même pourtant un mec très sympa, et qui d'ailleurs était très beau gosse, mais Nicole et toi, c'est drôle, on s'imagine pas, Bourville était un mec hyper séduisant, baraque, de deux mecs, très dragueur, c'était un peu Delon en vrai, mais la télé rend un truc différent. Et Bourville lui dit, oh, vous êtes très jolie, mademoiselle, vous êtes vraiment pas fait pour ce métier, hein. Et ça a été Brigitte Bardot. Et je trouve que peut-être Brigitte Bardot n'est pas vraiment une actrice, ça plus c'était Bardot, et c'est ça, c'est un mythe. Et là où je trouve extrêmement intéressant également le parcours de Bardot, elle a été fascinante. Et elle a quand même fait pour les animaux quelque chose d'absolument étonnant. Je dois dire que le portrait a été fait en accord avec Brigitte Bardot, qui nous a donné son Césaire, et qui était extrêmement contente d'avoir ses photos oubliées pour trouver dans Playboy, parce qu'on a publié énormément de grandes photos de Bardot complètement oubliées, nues intégrales, avec la chatte poilue, parce que vous savez, aujourd'hui, le toufisme est en train de disparaître. Le porno a créé les ravages du porno, a voulu l'épilation intégrale, et finalement, la chatte poilue est une espèce en voie de disparition, de la même manière que le mammouth disparaît, ou que les animaux, le dindon, et ben le toufisme, les touffes disparaissent, et je trouve que Bardot, elle s'en fout complètement. Il y a des photos où elle est un peu plus âgée dans le magazine, des photos où elle n'est pas forcément parfaite de corps, etc. Et elle s'en branle. D'ailleurs, certains gens qui l'ont connue ont dit qu'elle était, sentait même parfois pas très bon, quoi. Elle était un peu crade, et c'est pour ça qu'elle était extraordinaire. Et surtout, voilà. Voilà, donc je trouvais que c'était une belle façon de faire un beau portrait sur Bardot, que David a fait dans un style flamboyant, assez lyrique, proustien, et un style très émouvant. Moi, je suis un peu un persifleur, je suis dans la baudriole, et David a fait un très bel article romantique, émotif et de la littérature. Quoi. C'est assez rare aujourd'hui, il n'y a plus de journaux qui donnent de la littérature. Dans Vanity Fair ou dans le magazine littéraire, vous avez des articles d'une demi-page. Là, un article de 12 pages sur Brigitte Bardot, quoi. C'est vraiment ça. Où qu'on aille dans ce magazine, ça transpire. Il y a des explosions de littérature comme du pu, quoi. Et moi, alors, j'ai une anecdote qui n'est pas dans le magazine, qui est très drôle sur Bardot, que je peux vous raconter, que m'avait raconté un pote de Charrier, vous savez, son premier mari, Nicolas Charrier, tout premier maître de Bardot. Bardot, vous savez, à la Madrague, elle avait plein d'animaux. Alors, elle avait des poules, des serpents, des lézards, un âne, un bébé léopard, un chien. Bon, elle part en vacances pendant un mois et elle devait rentrer, je sais pas, le 1er septembre. Et là, il y avait une caméra qui devait la filmer au milieu de ses animaux. Et elle arrive. Et en fait, tous les animaux s'étaient mangés les uns les autres. La poule avait mangé son lézard. Le chat avait mangé la poule, le chien avait mangé le chat, l'âne avait mangé le chien, vous voyez ce que je veux dire? Le léopard avait mangé tout le monde, et en fait j'arrive à voir que c'est un bain de sang, tous les animaux sont morts, mangés, tout. Et là, putain, les caméras, ils vont pas filmer ça, quoi, tout cela. Et là, justement, elle appelle Charrier, sous premier année, elle dit, faut nettoyer ça, faut que personne voit ça. Imagine la fondation Brigitte Bardot et tous les animaux qui se sont mangés. Ils sont tellement mignons, ces bébés phoques, en fait, ils se bouffent les uns les autres, c'est terrible.
Voilà, donc c'est très bon, un très très bel article de David Vesper, qui, je voudrais dire, a eu un rôle vraiment essentiel dans ce numéro, qui a été vraiment notre bébé à deux. Et il a aussi bien sur la maquette, sur beaucoup de choses, sur les sujets, été d'un avis. Et vraiment, on l'a enfanté à deux. Et je pense qu'on a fait un duo un peu, vous savez, comme on disait, Limonov, quand il a rencontré Dougie. Limonov était le punk, l'extraterrestre. Et Dougie était l'intellectuel, un peu dans l'ombre, etc. C'est un peu comme le roi Arthur qui a rencontré Merlin l'Enchanteur, etc. Donc, il y a Bardot. Il y a aussi, alors, une grande interview de Michel Polnareff. Polnareff n'a donné aucune interview pour la sortie de son album, enfin de son album surtout, et de sa grande tournée. Il a réservé ses déclarations à Playboy. Pourquoi Polnareff? Car aussi, c'est une des dernières stars françaises. Et c'est surtout une star avec tout ce que ça comporte de folie, d'inconséquence. Polnareff aussi n'a fait aucune concession. Un jour, pour faire son album mythique, il s'enferme pendant 2 ans au Royal Monceau. Il est en lunettes de soleil, lunettes noires, survêtement Nike, dans une chambre, dans le noir, et il compose pendant 2 ans. Il va au bar le soir se défoncer la gueule à la vodka. Il ne voit pas la lumière du jour pendant 2 ans, au point d'en finir aveugle et de finir en hôpital psychiatrique quand l'album a été fini. Et je trouve que là, c'est Polnareff, c'est un artiste radical. Et la modernité, c'est le consensus, c'est la demi-mesure, etc. Et on a un artiste totalement radical qui décide de partir à Los Angeles parce qu'il n'en a rien à foutre, qui écrit lettre à France pour dire qu'il ne veut pas payer ses impôts. Et la façon dont j'ai rencontré Polnareff est assez drôle. Moi, beaucoup de choses dans ma vie a été grâce à Nicoletta qui m'a donné énormément de contacts et qui est très proche de Michel Polnareff. Hervé Villard aussi, je connais très bien. Fabien Lecoeuvre, qui est un ami. Enfin, je travaille avec BecBD. Personne n'avait le numéro de Polnareff. Personne. Enfin, personne ne voulait me le donner, ou avait le dernier, ou avait un truc, en tout cas, voilà. Ou l'avait pas, ou en tout cas, voilà. C'était pas. Personne n'avait vraiment sa ligne directe. Comment approcher Michel Polnareff? Et je raconte dans l'article, j'ai connu Michel Polnareff par le milieu des anges gardiens. C'est grâce à le milieu des anges gardiens que j'ai connu Michel Polnareff. Je dois rendre hommage à Pierre Jovanovic, avec qui j'ai fait une émission. Pierre Jovanovic est le spécialiste au monde des anges gardiens. Il a écrit un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, traduit dans 36 langues, qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. En fait, il est allé voir tous les gens qui avaient vu des anges gardiens dans le monde. Et il a fait une enquête, quasiment policière, extrêmement documentée, sur les anges gardiens. Et depuis, il a écrit des centaines de livres, dizaines de livres, et sa spécialité est notamment les conseils boursiers. Pierre Jovanovic fait des conseils boursiers où il vous explique le crack. Il dit « Demain l'apocalypse va arriver, tout s'effondre !» Et il dit toujours de retirer ses économies puisque demain, c'est l'apocalypse planétaire. Parce que l'ange Gabriel l'a dit. Et il est suivi dans le monde entier par des centaines de milliers de personnes qui suivent ses conseils boursiers bancaires où il dit « Demain, l'apocalypse monétaire est pour demain !» Retirez-vous. Et ce mec qui est absolument dément me dit, Polnareff me téléphone 4 heures tous les soirs en visio pour avoir des conseils boursiers mêlant 666, les multivers, Satan, l'ange Gabriel. Et il me dit, je peux te filer Polnareff, je vais lui dire. Je dis, c'est quand même génial, c'est grâce au milieu des anges gardiens qu'on a connu Michel Polnareff et qu'on a réussi à avoir la seule interview de Polnareff. Alors Pierre Jovanovic, qui est quand même un grand esprit, vraiment un type extraordinaire, c'est quand même assez dément. On dit souvent qu'on n'approche pas les fous par des gens normaux. Vous savez, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens spécialement mandatés pour parler aux cas les plus graves. Parce qu'en fait, si vous êtes normal et que vous parlez à un fou, vous ne comprenez pas, il faut un autre fou. Et Pierre Jovanovic a été ce messager entre la raison et la folie. Dans ce magazine, vous retrouverez également une grande interview d'Alexandra Tadeo et Piotr Pawlenski. Alexandra Tadeo a sorti un livre sur l'affaire Griveaux, sur ce qui lui est arrivé, sur sa vie magnifique, s'appelle L'amour, et aucun média n'en a parlé. Pourquoi? Évidemment, parce que c'est pas politiquement correct. Donc il y a eu une chape de plomb pour que le livre soit passé sous silence. Silence complètement, c'est-à-dire vraiment une censure, et aussi parce qu'elle est récupérable par personne. Il y a eu le procès Griveaux il y a une semaine, et
Alexandra Tadeo et Piotr Pamateri, 2 heures de retard, elle en robe de sirène, quand même génial. Et là, Richard Malka, qui est l'avocat de Griveaux, dit cette phrase sublime. Vous savez, on dit que c'est des révolutionnaires. Ils sont même pas d'extrême gauche. Alexandra Tadeo vote pour François Fillon. Et je trouve que c'est ça, le punk absolu. C'est une nana qui sort avec un mec qui se cloue les couilles, qui fait tomber un ministre et qui ensuite dit « Ah mais non, j'arrive en robe de sirène, je passe de l'extrême gauche, je vote François Fillon. » C'est vraiment les rebelles sans cause, tu vois. C'est vraiment des vrais punks, c'est-à-dire des rebelles. Aujourd'hui, où la rébellion est complètement instrumentalisée, en quelque sorte, est complètement... Vous voyez ce que je veux dire ? On a les être rebelle, c'est être soit de gauche, etc., avoir une idée politique. C'est pas un rebelle sans cause, quelqu'un qui est totalement punk. Et bien sûr qu'aujourd'hui, je pense, voter François Fillon, c'est un acte absolu. Dire, le mec, il a incendié la Banque de France, son mari, il dit non, mais c'est pour faire la Banque de France était éteinte. J'ai fait un éclairage. Et Alexandra Tadeo nous raconte la vie sexuelle avec Benjamin Griveaux. Donc je vais vous lire un petit extrait quand même pour voir ce que vous avez dans le magazine. Vous allez voir, c'est absolument dément. Alors, Alexandra Tadeo sur Benjamin. Je lui proposais d'aller dans la chambre. La lumière était crue, je n'avais pas fermé les rideaux. J'ai retiré le t-shirt, la jupe et le string que je portais. Il fit de même avec ses vêtements. Je m'assis dos à la tête de lit, les jambes écartées. Il plongea vers mon entrejambe, lécha mes cuisses, saliva. Il continua de lécher les cuisses, puis le pubis, saliva un peu plus. Sa bouche attrapa mes petites lèvres. Il les suçota, déglutit, bava, suçota davantage. Je sentais les draps humides sous les fesses, ça me dérangeait. J'agitais mon bassin pour le déplacer sur une zone sèche. Il pensait que j'en avais eu assez et se redressa. J'en avais pas eu assez, mais je ne l'ai pas demandé de continuer plus longtemps. J'utilisais la housse de couette pour sécher la bave qui a découlé sur mes cuisses. Il s'assit sur le rebord du lit et me toucha la hanche pour que je le monte. Je me mis sur lui et portai quelques coups de bassin. La sensation n'était pas agréable. C'était comme se fourrer un gomme Michel en lubrifiant. Je crachais dans ma main et me touchais le clito tout en ralentissant le mouvement. Il proposa de changer de position. Je dis que non, c'était hop. J'ai compris qu'il avait fini après quelques mouvements seulement, lorsque son corps se crispa et qu'il commença à regarder de tous les côtés. Je m'écartais de la bite et remarquais une trace de sang sur la cuisse. Il me dit, c'est pas moi. Et après, vous avez toute la suite avec Griveaux, avec Pavelski, toutes ces aventures sexuelles, vous en avez énormément plus dans le magazine. Vous avez également une grande interview de Marilyn Jess par Marc Edorna, qui est quand même un de nos grands écrivains du siècle, et qu'on a la chance d'avoir comme intervieweur Marilyn Jess, qui a été une icône du porno, qui a été surtout l'icône d'Harakiri, et qui est une vraie rebelle, c'est-à-dire des femmes qui, dans les années 70, étaient ultra-féministes et qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément féministes, parce que pour elles, les féministes, depuis qu'elles ont cessé de... Les femmes, depuis qu'elles ont cessé de nous aimer pour devenir des féministes, sont au contraire des anti-femmes. Il y a un autre texte que j'ai fait dans ce magazine Playboy, que je trouve extrêmement intéressant et amusant. Je vais vous le raconter un petit peu ici et vous retrouverez tous les détails dans le magazine. Ça s'appelle « Le serpent a voulu me voler un billet de train ». Vous connaissez tous la série Netflix « Le serpent ». Charles Sobhraj, un des plus grands serial killers au monde, qui était au début un bikini killer, bikini killer, et qui avait dans les années 70, en gros, tous les hippies qui faisaient la route, vous savez, en Afghanistan, en Inde, etc., au Népal, il leur disait, je suis marchand de pierres précieuses, je vais vous inventer, vous raconter le monde, etc. Les mecs venaient dans sa belle villa, et là, il leur servait des cocktails avec un petit peu des produits, vous voyez, parce qu'à l'époque, tous ces gens qui cherchaient Dieu, ils aimaient bien... Oula, j'ai tombé dans l'eau. Ils aimaient bien les produits. Et, en fait, ils mettaient dans les verres des petits somnifères, ou en tout cas des trucs pour tuer. Les gens s'endormaient. Là, ils piquaient les passeports et ils tuaient les gens. Et en fait, ils pouvaient voyager d'un pays à l'autre grâce à tous les passeports volés. Sobhraj a été un des plus grands serial killers au monde. On dénombre peut-être 70 morts, ce qui est absolument dément. Hein. C'est absolument énorme. Ça s'explique par le fait que c'était un mec terriblement intelligent. Il est condamné d'abord à 30 ans de prison et au bout de à peu près 35 ans de prison, il sort dans les années 90. Là,
il arrive à Paris, il prend comme avocat Jacques Vergès, et il s'installe, il mène une vie un peu mondaine. Il y a un pays où il n'a pas le droit d'aller dans le monde, c'est le Népal. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, il y a encore des meurtres qu'on lui a imputés, le Népal est là, les Népalais le poursuivent, donc il peut aller partout dans le monde sauf le Népal. Et ce brave qui est un punk, qu'est-ce qu'il fait ? Pour, on lui dit, on va faire une série télé sur votre vie, et on dit, il faut tourner quand même là où on lui est mort. Au Népal, il va au Népal pour tourner la télé, il se fait arrêter de nouveau 25 ans. Et il sort à peu il y a 8 mois, après donc 50 ans de prison. Et ce brave est français. Et là où ça devient extrêmement intéressant, et vous allez c'est extrêmement drôle, c'est que qui est son avocat ? Une très bonne amie à moi, Isabelle Coutempère. Alors il faut que je vous raconte un peu qui est Isabelle Coutempère. Isabelle Coutempère a été la collaboratrice de Jacques Vergès, mais est surtout la femme du terroriste Carlos. C'était l'avocate, elle a défendu les terroristes du 11 septembre, elle a défendu les attentats du Bataclan, elle a défendu l'Iran, elle a défendu Carlos, un peu tous les terroristes du monde. Elle me disait souvent, j'ai pas de clientèle, j'ai plus un zoo. Un zoo où se réunissent tous les gens bizarres de ce monde, vous voyez ? Vous êtes taré, vous avez fait un attentat à l'autre bout du monde pour l'État palestinien, etc. Isabelle Coutempère. Et alors, comment je l'ai connue ? Ça, c'était extraordinaire. C'est une édition avec Sophie Bonnet, qui était une journaliste très sympa, qui avait publié un livre sur Carlos, vous savez, le terroriste, qu'elle était allée voir en prison. Ça s'appelait 4 ans de parloir avec Carlos. Je reçois Sophie Bonnet, qui parle de Carlos, elle me raconte, en fait, que le mec est en vrai vraiment un meurtrier, qui il revit ses crimes en parlant de façon en jouissant. Elle me dit qu'il est extrêmement il voit des complots juifs partout, que sa seule préoccupation c'est de savoir si tel est juif ou tel est homosexuel. Elle me dit que Carlos tient en quelque sorte salon en prison, il reçoit des journalistes en racontant sa vie, là, 5 perpétuités. Et je fais l'émission, voilà. Un numéro inconnu m'appelle. Je réponds pas. Il me rappelle plusieurs fois, après que j'ai diffusé. Une nana. Bonjour, il s'appelle Maître Isabelle Coutempère. Mon mari m'a dit que vous aviez dit du mal de lui dans une émission. Et j'aimerais répondre. C'est mon lumière. Surtout que personne n'avait regardé cette émission. Je pense que dans l'émission que je fais, l'émission avec Sophie Bonnet, personne, comme toutes les bonnes émissions, l'avait vu. Tout le monde s'en branlait. Personne n'avait là. Et c'est... La dame, je sais pas comment il est tombé dessus, parce qu'il n'y a pas internet en plus grand, ça je sais pas. Qui me dit, mon mari, même pas mon client, il faut que j'ai un droit de réponse. Il me dit, ouais, c'est quand même très bien, le mec a 5 perpétuités, il moisit au fond d'une cellule, mais vraiment, qu'on est à l'époque, c'est que Schwarzès dit un peu de mal de lui, il le prend très très mal. Ah, il est bien mal. Ah, il est catastrophé. Je me dis, ouais. Elle vient. Avec des images de l'émission, des textes écrits par Carlos, enfin, vraiment le droit de réponse, comme si c'était la tribune, quoi. Très agressive, elle avait ramené tout un dossier, assez dément, avec plein de trucs, des photos de l'émission, parce qu'elle avait fait des captures d'écran, des lettres qu'avait écrit Carlos de droit de réponse. Très bon, je me dis, une originale. Et là, on devient assez amis, on fait un dîner à la maison. Il y avait Camille Pascal, qui était un ancien conseiller de Sarko, ancien patron de France Télé, un type assez mondain, versaillais, voilà. Et je crois qu'il y avait Emmanuel Pierrat aussi, qui est un ami avocat. Et c'est vrai qu'Isabelle Coutempère, c'est une nana normale, avec des bracelets Hermès, assez chic, une petite dame comme ça, c'est pas... Elle paraît normale, elle paraît même un peu mondaine, elle était d'une bonne famille, etc. Ça se dit, Camille Pascal, je sais pas du tout qui c'est, il la voit, bonjour, Camille Pascal, oui, je vous plaît. Et vous faites quoi ? Bah, Isabelle Coutempère, je suis avocate. Ah, très bien, ok. Mais elle dit, oui, mais peut-être vous me connaissiez un peu médiatiquement, parce que j'ai été mariée pendant très longtemps à Carlos. Je dis, ah, oui, mais bien sûr, je me souviens de vous, oui. Vous savez, j'étais à France Télé, j'ai beaucoup aimé le chanteur Carlos, ça a vraiment été un grand chanteur, c'était... Non, le terroriste. Et là, elle m'appelle, elle me porte une bouteille de champagne, et elle me dit, oh ouais, c'est Charles Sobras qui me l'a offert. Je l'héberge. Génial. Et elle me dit, mais il est tellement gentil. Elle me dit, oh Charles, c'est un aventurier.
il est sorti de sa combinaison, il loge chez moi. Et elle me dit, tu sais, tiens, il était dans ces pays-là, dans les années 70. Il voulait aider les gens. Quelqu'un avait, par exemple, un petit peu mal à la tête. Ça arrive. Un doliprane. T'avais la diarrhée. Ça arrive, t'as la chiasse. T'as une chiasse. Il disait, bah oui, laxatif, tu vois, c'est un mec, il met bien un petit peu les médicaments. Et bon, les vins qui avaient eu le smecta sont tous morts, mais c'est... ça arrive, tu vois. C'était un aventurier. Elle me dit, non, mais c'est vraiment un mec bien. C'est beau, genre de vrai. C'est l'homme le plus solide que j'ai rencontré. Je dis, ouais, il est vraiment gentil. Hein, il est... Et là, elle me dit un truc très beau. Elle me dit, parce que Isabelle Coutant-Père, vous avez compris, Carlos, la Palestine, je donnais, les vocales de Zahar. Un peu pro-Iran, pro-Palestinien. Il me dit, surtout, il est pour Iran, hein. Il est pro-Palestinien. Hein. Et je sens que là, c'est le moment où vraiment elle se dit, elle m'a dit comme pour me convaincre, c'est-à-dire le mec, serial killer, là. Mais vous savez, politiquement, il est bien. Hein. C'est quand même très fort, quoi. Elle me dit, oh, politiquement, c'est un mec qui est avec nous. Hein. Enfin, nous, elle, quoi. Mais. Ouais, évidemment, là, Camille Pasque, on a évidemment dit, ah, oh, s'il est pro-palestinien, évidemment. Pardon. Ce qui interroge à penser sur la pensée politique des serial killers, tu vois, ça pourrait être assez intéressant. Enfin, j'avais étudié Guy Georges, était d'extrême gauche. Il avait pu pouvoir tuer toutes ses victimes parce qu'il était militant du droit au logement. Et donc, ce qui lui permettait d'aller dans beaucoup de squats pour aider des gens, bon, il les tuait, mais il était très engagé à gauche dans beaucoup d'assauts. Il était très engagé, c'est vrai, hein, dans l'associatif d'extrême gauche qu'il a pas mal aidé. Alors que par exemple, Michel Fourniret était plutôt d'attente un peu du mouvement ouvrier. Il avait écrit dans sa jeunesse un livre qui s'appelait Ouvrier mon ami, qui faisait l'éloge du monde agricole, d'une vie assez simple, travailleur, etc. Alors que par exemple, celui qui avait ravi la petite Natacha Campouche, sa copine, alors lui était néo-nazi, il avait des portraits dans le cimetière. Donc c'est assez... Alors Francis Saulne, par contre, ayant atteint un certain syndrome qui faisait le cerveau d'un enfant de 4 ans, sa pensée politique était assez sommaire. Oui, c'était victime avec des marteaux. Politiquement, mais pas très évolué. Bref, alors c'était assez marrant. Et là, je me dis, il faut faire un truc, une interview, un dernier verre avec le serpent. Vous savez, le Figaro avait lancé les interviews un dernier verre. Je vais faire les cocktails du serpent. Un dernier avec le serpent au bar. Oh, meilleur cocktail. C'est génial. On se dit, c'est un acte punk. Je dis à Isabelle. Au début, elle me dit non. Et après, elle me dit, écoutez, ouais. Comme dirait la devise des punks, do it. Fais-le. Voilà, do it. On va le faire. Et là, c'est extraordinaire. Elle me dit, envoyez une lettre à Charles Sobhraz. Alors moi, je vois une grande lettre, j'ai écouté Charles Sobhraz, j'ai vu la série Netflix, c'est absolument honteux. Honteux qu'on dise que c'est un stage. Vous êtes quelqu'un qui a aidé les gens. Vous avez aidé les gens qui avaient mal à la tête, mal au ventre, etc. Il faut restaurer votre honneur et je pense qu'un grand entretien dans Playboy serait vraiment une manière de gagner votre procès contre Netflix, parce que c'est des procès contre Netflix, et de restaurer votre image publique. Il a 85 ans. Hein. Parce que c'est important, vous avez la irréputation de Saint-Sobhraz. Et j'envoie la lettre à Isabelle, elle me dit, j'attends ça à Saint-Sobhraz. Pas de nouvelles, etc. Un jour, on m'appelle, un mec m'appelle. Des bandeaux. Et puis, bandeaux, c'est le meilleur ami de Saint-Sobhraz. Avec François Héninger. Il dit, je suis ton meilleur ami depuis 20 ans. Alors, là, je suis un peu étonné parce que Saint-Sobhraz était en prison depuis 20 ans. Et tu vois, un mec, c'est drôle, il dit, ah non, c'est beaucoup d'affaires depuis Saint-Sobhraz, depuis 20 ans. Là, je lui dis, mais Sobhraz, j'étais en prison. Je ne l'ai pas dit, mais depuis 20 ans. Très bizarre, quoi. Le mec, extrêmement bizarre. Bon, et il me dit, Saint-Sobhraz, je serais d'accord. Je regarde qui est le mec, c'est un producteur de films, qui a produit un film qui s'appelle À cause des filles avec Frédéric Big Bébé. J'étais un petit peu de multivers, on ne sait pas d'où ça sort. Et je me renseigne auprès justement d'une amie journaliste très connue qui me raconte un peu qu'est-ce que fait Charles Sobhraz aujourd'hui. Et elle me dit, en fait, c'est une histoire géniale. Il était en prison avec, je crois, la fille d'un sikh. Vous savez, c'est haut dignitaire indien. Il était dans la même prison qu'elle.
il a une histoire d'amour avec cette fille d'un dignitaire indien. Et l'histoire est un petit peu compliquée. Je crois que, en gros, la fille sort de prison, elle épouse un mec en sortant il y a un an, très riche, qui meurt par hasard un mois après. Et Charles Sobhraj hérite donc de l'argent et va, et maintenant donc a énormément d'argent puisqu'il n'a plus de droits civiques, il n'a plus rien, mais il a beaucoup. Et qu'il est devenu une sorte d'homme d'affaires. Et ce mec me dit, devez-vous mettre en communication avec Charles Sobhraj. Et là, par appel WhatsApp, alors par contre, il me dit, je ne peux pas vous donner mon numéro, donc on va faire un groupe WhatsApp où Charles Sobhraj va rejoindre la conversation. Alors là, je me dis, comme ça, le client n'est pas très élaboré, parce qu'il suffit de cliquer sur l'icône du groupe WhatsApp et on a le numéro du mec. Bon, vous savez, les serial killers, s'ils avaient été beaux, ils ne se seraient pas fait attraper. Hein. Et donc, j'entends Charles Sobhraj qui me dit, oui, bonjour. Et il me dit, appelez-moi Charles, je vous appellerai Simon. Et là, je me souviens qu'on disait que ce mec avait été le plus grand manipulateur au monde. Et je me dis, c'est drôle, le mec a fait que 50 ans de prison, il sort. Et comme s'il voulait encore manipuler, mais il sait qu'il est cramé, qu'il a tout foutu. Mais il me dit quand même, vous pouvez m'appeler Charles. Je commence à lui parler, et là, il dit, mon français est pas très très bon. Mais ça vous va. Je peux faire des progrès, mais je suis pas encore très bon. J'espère que vous m'en voulez pas. Oh non, non, je n'en veux pas. Limite, si on n'était pas là, bisous. Et là, et à un moment, ça c'était très intéressant au téléphone, je lui parle, tu vois, hyper doux le mec, câlin quasiment. Ouais, yes, un peu câlin, quoi, tu vois. Assez doux. Et tout d'un coup, je lui dis un truc qui lui plaît pas. Je sais plus ce que je lui dis, je crois que je lui dis, il me dit, est-ce que ça a soit traduit en Playboy américain? Je lui dis, peut-être. Et là, il me dit, non. Et à un moment, il y a eu non. Et à un moment, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a eu une autre voix et non. Et je ne sais pas comment vous dire, mais on sentait la voix langoureuse, le mec adorable. Et là, à un moment, il y avait, et on disait que c'était le pire psychopathe, qu'en fait, ses victimes étaient toutes adorables. Et à un moment, on lui disait un truc qui ne lui convenait pas, genre, ah, Charles, tu peux me faire un verre d'eau? Non. Et là, c'était ce nom-là, c'était le nom de quand sa victime devait dire ça, Charles Sobhraj, vous pourriez quand même pas me voler mon passeport? Non. Et là, il y avait le nom du serial killer. Et là, je me dis, ah, non. Et là, je me dis, putain, ça doit être le même nom qui, quand une victime devait dire Charles, ne me tue pas avec le couteau, il dit, non. Et hélas, j'ai vu le tueur. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Charles Sobhraj ne parle que de contrat, d'agrément. Il me dit, non, mais il faut faire un contrat pour ça. Il faut signer un agreement parce qu'il faut faire un agreement de l'agreement. Et il n'a à l'argent que contrat, agreement. C'est drôle, c'est la dernière personne qui utilise en France le mot agreement. Il me dit, ah, mais il faut faire un agreement. Mais il faut faire un agreement sur l'agreement. Mais vous avez fait un agreement de l'agreement. C'est assez étonnant pour un mec qui a fait 50 ans de prison d'être hyper légaliste. C'est assez drôle. Le mec est le plus grand hors la loi au monde et il ne vous parle que de la loi. Je me dis, non, mais vous savez tout ce que je dis, il faut faire un agreement pour expliquer l'agreement. Une logique assez à l'américaine, vous savez, on signe tout. Mais c'est très très drôle pour le plus grand serial killer qui ne vous parle que de loi. Et pas de loi, la poule, mais des lois. Et il parle que de contrat et d'agrément. C'est-à-dire une obsession de l'agrément. Et au départ, bon, il dit, on va faire un agrément. Après, on va faire un agrément pour l'agrément. Ok. Après, il dit, on va signer à Paris un agrément pour dire qu'on fait l'interview. Je dis, ok. Après, il dit, on va faire un agrément qu'on va signer à Paris pour dire qu'on fera un agrément. Je dis, ok, on fera 3 agréments. On fera 20 agréments, on fera des agréments sur des agréments et des agréments. Et après, il me dit, mais il faudrait nous défrayer pour venir à Paris. Je dis, ok, pas de problème, vous défrayez, on paye le train. Il était à Londres. On paye le train et l'hôtel. Après, il dit, mais on va venir à Paris avec l'agrément. Il faudra défrayer pour l'agrément. Pas de problème, ok. Et après, il nous dit, en fait, on va venir à 15 personnes pour l'agrément de Londres. Il faudrait donc payer 15 billets de train avec 15 hôtels. Et ça sera juste pour signer un agrément de l'agrément. Et là, je commence à le comprendre qu'en fait, Sobhraj ne jamais voulu faire d'interview. Sobhraj voulait juste nous voler des billets de la SNCF. C'est-à-dire, on dit souvent que les tueurs sont des gens qui ne savent pas s'arrêter. On raconte parfois que, je me souviens de Gérard Forêt, qui était le plus grand trafiquant de coke au monde, qui m'avait proposé de lui racheter un paquet de cigarettes qu'il avait acheté 5 euros, 10 euros. On se souvient de Madoff qui faisait du trafic de cigarettes en prison. On se souvient de je crois, Émile Louis qui, à la fin de sa vie, volait des stylos, quoi.
Et en fait, le tueur, l'escroc là, ce mec qui a tué 90 personnes juste pour leur voler un passeport, à 80 ans après 50 ans de prison, veut encore voler un billet de la SNCF. C'est quand même magnifique. Le mec, c'est comme si vous aviez connu Michel Fourniret à la fin de votre vie, vous avez quand même volé un stylo. Tu vois, au seuil de la mort, il est quand même en train de déchirer les ailes d'un papillon. Et ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'était nul, en plus, ça allait être rien. Il lui demandait un virement pour prendre ses billets de train avec 15 personnes. C'était binable, c'est pas très cher, ça aurait volé quoi, 3000 balles. C'était pourri. Et en plus, on aurait pu porter plainte, donc c'était con. Mais je me dis, c'est peut-être ça, tu vois, les mecs, ils savent pas s'arrêter. Il est programmé pour le mal, ce qu'on appelle des psychopathes. Le psychopathe, c'est génétique. Le psychopathe, jusqu'au bout, il restera un psychopathe. Et donc, il ne s'arrêtera jamais. Et voilà, donc on n'a fait rien, on lui dit que c'est pas possible. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai toujours sur WhatsApp, le serpent Charles Sobras, et il est tout le temps connecté. Alors je sais pas pourquoi. J'ouvre mon téléphone, puis en boîte à 3h du mat, je regarde, Charles Sobras en ligne. 5h du mat en ligne, le matin à 7h en ligne. Alors je me dis que le jour où je verrai plus en ligne, ça voudrait dire que quelqu'un est mort. Quand je verrai en ligne il y a 2h, en ligne il y a 8 jours, ça, il a tué quelqu'un. Vous avez tout le temps, il doit être en ligne, sur son téléphone, et à un moment... Et là, quelqu'un est mort. Et là, ça me fait des frissons. Je suis dans mon lit, tout bien, tout là. Tout est calme, rien ne peut arriver. Et là, je vois la mention Le Serpent en ligne. Terrible. Et tout ça, et je raconte plein d'autres choses dans l'article. Vous aurez aussi tous les échanges avec Charles Sobras, les captures d'écran des échanges, les messages perso qu'il m'a envoyés. Il y a vraiment tout dans cet article, mais bien plein d'autres choses. Hein. Mais ça, je raconte un peu là, mais il y a énormément d'autres choses. Et. Enfin, vous avez mon article sur la soirée qu'on a organisée chez Castel. Alors, cet article, c'est le plus littéraire que j'ai fait. J'en suis très content. Ça raconte en quelque sorte Castel. Moi, j'ai habité en 6e pendant 30 ans, 25 ans. Castel a toujours fait partie de ma vie et je n'ai jamais pu rentrer chez Castel. Des années à voir des gens qui rentraient chez Castel car ils étaient plus riches, car ils étaient plus beaux, ils sont peut-être responsables, Castel, de mes nombreuses opérations de chirurgie esthétique, car ils étaient plus assurés, ou car j'étais trop sous, donc ou alors pas assez sous, donc trop timide, enfin bref. Des années à voir cette sentence, et pas vous rentrerez pas, ça va pas être possible. Et les gens qui vous voient, vous, sur le bas-côté, qui rentrent, et qui ont ce regard dédaigneux des gens qui rentrent et vous ne rentrez pas. C'est la raison. Vous savez, comme des gens, quand ils vont en Afrique, ils voient des petits enfants en train de mourir devant leurs yeux. Ils regardent et vous toisent et ils jouissent de voir qu'il y en a un qui va rester sur le bas-côté. Et comme finalement certains, peut-être les nazis dans les camps, qui regardaient ceux qui allaient à l'abattoir. Et certains, voilà, ils disent non, ça ne va pas être possible. Et vous restez là, espérant négocier. Et là, ils disent ah, vous, mon Dieu. Je me dis, il fallait me venger par un acte fort. Détruire Castel. Et on l'a fait. On l'a fait. Comment ? Déjà, des souvenirs. La première fois que je suis allé dans la rue des Canettes, à côté de chez Castel, j'avais 17 ans, je connaissais personne, j'avais aucun ami. J'allais au Cove Saint-Germain, qui était un bar juste à côté, qui allait où il y allait les recalés de Castel. Et là, il y avait 3 personnes accoudées au comptoir. On avait le même âge, on avait le même avenir, on était 4, donc on n'était pas forcément amis, on se connaissait à peine, on s'est retrouvés là un soir, à 17 ans, dans ce bar, et la vie avait le visage d'une promesse. On était beau, on était jeune, on avait de la vie. Le premier s'appelait Jordan, c'était un petit mec qui était là, bref, au bar. La deuxième s'appelait Sarah, elle était plutôt mignonne, elle était Sciences Po, bon. Le troisième s'appelait Romain, il était là aussi au bar. On se parle, 3 mecs du même âge qui discutent, tu vois. Et 10 ans ont passé, Jordan Barrella, qui présente du premier parti de France, on n'était même pas spécialement de droite, c'est pas le problème, c'est des gens qui se retrouvent dans le quartier, quoi, c'est les hasards. Ça n'avait rien de politique, ça avait juste des petits quartiers. La deuxième, c'était Sarah Knafo, enfin, ce qu'elle compte bien. Et le troisième, c'était Romain Bouvier. C'était pas un ami du tout, qui était là juste là, qui était un mec du 6e, parfait, ça m'avait été avocat, qui traînait dans le bar, qui sera condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué un mec de 10 balles dans le dos. Je trouvais ça assez beau comme scène, ces mecs, ils avaient aucun. 10 mecs de là, 3, première vision, je vois 3 personnes, et les 3 finalement, un va devenir
presque limite président de la République, l'autre a fait une première dame, et le dernier moisit au fond d'une cellule condamné à perpète. La vie est parfois, la destinée est parfois une salope et parfois étonnante. Et donc, Castel, en fait, on a fait un acte insensé, on a dit pour inviter les gens, on va mettre notre couverture avec Schiappa. Et on a mis en dessous, on avait mis MC, Disjoking Elizabeth Borne, non confirmé. Extraordinaire, tu vois. Et les gens ont cru que Schiappa venait à la soirée. C'est génial. Prenez Carl Zéro. Alors Carl Zéro, il est extraordinaire. J'ai une passion pour Carl Zéro personnellement. Depuis que j'avais reçu Gabriel Mazneff dans mon émission, Carl Zéro me suit un peu à la trace. Et je me souviens au moment de l'affaire Mazneff, où j'ai reçu Gabriel Mazneff, c'était mon émission, tu vois, je recevais personne, tout le monde. Et il était un écrivain, c'était avant l'affaire. Bref. Et Carl Zéro avait cru que mon appartement était l'appartement de Mazneff. Et à l'époque, dans mon émission, j'avais reçu Mazneff, peut-être un ou deux écrivains, je ne sais plus qui, et Magloire et Francky Vincent. Et donc, Carl Zéro a fait l'article « L'appartement de la rue Jacob, des liens entre Magloire et Mazneff, un réseau pédocriminel organisé. Des liens unissent la pédocriminalité en France. Nous avons découvert que Francky Vincent s'était rendu dans l'appartement du pédophile Gabriel Mazneff. Est-ce que c'est un nouveau complot ? Tu vois ? Est-ce que Magloire fait partie d'un réseau pédocriminel ? Et ce mec est extraordinaire, tu vois, c'est un mec qui pense que même que Patrice Allègre a été enlevé par les Raéliens et tout. Et il tweet l'invitation de Castel en mettant « Marlène Schiappa organise une énorme teuf chez Castel avec comme disjoking Elisabeth Borne. » Artiste ! Sublime, tu vois, le mec. Et après, d'autres tweets, évidemment, sur la pédocriminalité et les Raéliens qui avaient enlevé, évidemment, tout le monde le connaît, vous savez, le petit Émile, là, on sait très bien que c'est... Les Raéliens qui sont très liés à Francky Vincent et aux pédocriminels. Bref. Et, bon, premièrement, alors, ensuite, moi j'invite Enora Malagré, qui est vraiment une philosophe schopenhauerienne, tu vois. Enora Malagré, c'est un peu Diogène le Cynique, elle est vraiment dans la tradition de l'oralité, quoi. Je l'invite parce que j'avais reçu une mission, j'ai envoyé l'invitation, et elle me dit de pas venir et tout, et elle partage l'invitation sur son Instagram, elle dit « Marlène Schiappa organise une teuf, venez foutre la merde !» Si bien qu'en quelques heures, il y a 50 000 tweets sur Internet, ou à peu près 100 000 tweets, top 8 France, manif devant Castel. Et tout le monde, c'est-à-dire, il y avait les gens d'extrême droite qui disaient « Quelle honte, Marlène Schiappa a détourné l'argent du fonds Samuel Paty, on va manifester !» Les gens, les féministes qui disaient « Quelle honte, le magazine Playboy fait une soirée, ce sont des monstres Playboy, c'est Hugues Esther, c'est des violeurs et tout. » Bien sûr. Ensuite, les gens d'extrême gauche, qui détestent Marlène Schiappa, les islamistes qui détestent le magazine Playboy, les cathos qui disaient une ministre ne doit pas poser dans Playboy, tous ces gens, limite mon plombier à qui je devais de l'argent, tu vois, tous ces gens se retrouvent. Et je me dis, putain, il y a eu des grands moments historiques dans l'histoire de l'humanité qui ont réuni tout le monde, tu vois, la libération, la Seconde Guerre mondiale. La soirée à Castel vraiment a réuni tout le monde. Et là, j'arrive dans le Castel. Et je vois des cordons de CRS et des centaines de manifestants. Assez étonnant, parce qu'il y avait tout. Alors, je veux dire qu'ils étaient tous assez laids. C'est souvent l'explication de ma pensée politique. Je pense que la beauté est la première des politesses. Et c'est vrai que souvent, les gauchistes ou les gens d'extrême droite sont souvent assez moches physiquement. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas spécialement de ces tendances. Et je me dis, c'est quand même dément. Et surtout... On rentre dans la soirée, il y avait une ambiance de fin du monde, tu vois, parce qu'il y avait toute personne qui arrivait à la soirée se faisait agresser, les gens hurlaient dessus, crachaient, jetaient des trucs. Et je pense, j'ai toujours pensé qu'une belle teuf, pour qu'elle doit être réussie, doit être faite dans l'urgence. Des amis qui avaient, Richard Mignot qui avait connu le Liban, m'avaient dit que parce qu'au Liban, en fait, il y avait des guerres et tout, et c'était terrible, il y avait les fêtes les plus démentes. J'ai toujours pensé que la vraie fête n'est possible que dans des temps un peu stressants. Tu sais, et c'est l'anecdote que je vais raconter. Patrick Buisson a écrit un très beau livre qui s'appelle 1940-1945, années érotiques. Ces années qui ont été les pires de l'histoire de l'humanité, où vraiment on a vu la monstruosité de l'âme humaine, ont été des années de fêtes intenses et de sexualité totalement débridée. C'est extrêmement étonnant ça. Et les mêmes qui... je me souviens, il y avait ces histoires à la Tour d'Argent, ou à la coupole, Jean Luchet, M. de Belleroche, ils faisaient la fête, des fêtes énormes, alors qu'ils vont être tous fusillés 3 mois après. Et il y a cette histoire, cette anecdote fameuse, on est procès de l'épuration, il y a tous les pires
Salaud, Brasquiacre, Baté, Cousteau, premier rang. Tous étaient, ils ont été vaincus et surtout ils ont été monstrueux. Donc, et le juge donne la sentence, tous condamnés à mort. Et là, Baté retourne à la zone, dit au moins, ce sera bien amusé, hein. Et tu vois, et alors voilà. Et donc, il y avait cette ambiance un peu de fin du monde, extrêmement amusante. Et surtout, ce que j'ai aimé, cette soirée. Alors, moment extraordinaire, l'arrivée d'Afida Turner. Les CRS, les manifestants, Bigard arrive, il le tape dessus, il lance des trucs, il lui pète la gueule, Bigard s'en va, Nolo pareil. Afida Turner arrive, escorté par des CRS. Les manifestants s'écartent et hurlent. Afida, on la laisse passer, car c'est une fille du peuple. Génial, que tu vois. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un mélange de grands écrivains et d'extrêmes beaufs. C'est-à-dire, il n'y avait pas de demi-mesure. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il n'y avait pas de demi-mesure. Il y avait soit Ruby Nicara, soit Marc-Edouard Nabe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait soit vraiment des gens de cité, Afida Turner, Ruby Nicara, 25G, un mec champion de boxe horrible. Soit Marc Green, François Casby, des écrivains un peu sulfureux, des intellectuels, des agrégés de philo. Enfin, c'était ça ce que j'avais. Et c'est vraiment, et ça c'est la littérature. La littérature, c'est la rencontre entre l'extrême beauf et le grand style. Alors que justement, la demi-mesure, le consensus, les profs, les demi-intello, ça c'est la vulgarité. Et donc cette soirée était une soirée littéraire. Il y avait des moments sublimes. Je me souviens de Elisabeth Lévy qui accueille Afida Turner et dialogue entre eux qui dit je voudrais écrire Festivus Festivus, premier tome avec Philippe Muret, avec toi le deuxième. Et alors, j'étais avec une nana. Une nana m'embrasse dans le dos, tiens, j'ai du succès. Et je vois Isabelle Coutempère, la femme du directeur, qui me dit, écoutez, mon terroriste, mon mari Carlos, il fait plus rien, il est plus très actif. Je cherche un mari, je pense que ça sera Pierre-Jean Chalençon. Elle est géniale, quoi. Quand son mari faisait des attentats, elle fait des attentats à la pudeur, et c'est une bombe sexuelle. Donc, c'était assez dément, c'était insensé. Tous les gens qui ont connu les grandes fêtes, tu vois, d'autrefois, du palace, des bains-douches, de Benicaslan, etc., m'ont dit, on a retrouvé un peu cette ambiance. Et moment très beau, à 5h du matin, David, un de mes meilleurs amis, vient me voir et dit, il y a Nab et Bec Bédé, ils avaient été brouillés depuis 20 ans, Marc-Edouard Nab et Frédéric, et ça je raconte dans l'article, donc je vous laisse un peu découvrir. Et Frédéric Bec Bédé, ils ne s'étaient pas vus depuis 20 ans, brouillés à mort. L'un avait écrit des saloperies sur l'autre, etc., l'un et l'autre, chacun s'était envoyé des horreurs. Et là, ils se retrouvent à 5h du matin, et tout le monde essaye de leur parler, car c'est quand même deux stars. Bec Bédé ne veut parler à personne. Il est obnubilé par Marc-Edouard Nabe. Il veut parler qu'à lui. Et alors, à la fin. Mais je peux pas tout raconter, parce que si vous avez ça. Il y a... La fin se finit de façon sexuelle, avec une personnalité très connue, où je raconte tout. Tous les détails. Tout. Mais ça, je peux pas en parler dans la vidéo, déjà, car ça risquerait d'être repris. Et surtout, parce que si vous achetez pas le magazine. Mais... Dans le magazine, vous avez mon aventure sexuelle avec M20 en moindres détails. Les moindres détails. Bon. Son nom, mais on sait qu'il vous comprend la seconde qui c'est, avec les initiales, où on comprend tout de suite qui c'est. Tous les détails, même de au plus ignoble, au plus infime, vous aurez tout. Et ça, c'est la dernière page du magazine, donc vous êtes obligé de l'acheter, vous êtes muté. Et écoutez. Dans ce magazine, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y a quand même, vous saurez, quelle grande star j'ai couché avec tous les âges, donc ça vaut le coup de l'acheter. Ça s'appelle Playboy. Ça coûte. Bon, vous avez plein d'autres choses. Vous avez aussi Patrick Sébastien, un article sur Jérôme Lavrieux, une interview, beaucoup de révélations, des choses extrêmement variées. C'est un très très beau numéro, deux couves. On ira tous au paradis avec Paul Naref. La deuxième couve, Brigitte Bardot, qui est là. C'est le dernier numéro de Playboy. Partagez-le, utilisez pour le pour tout, pour vous masturber, pour le regarder. Vous savez, on dit toujours, il y a deux phrases que j'aime beaucoup, je dis toujours là, je préfère vraiment me masturber parce qu'au moins c'est faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. Écoutez, chers amis, merci beaucoup. On est en direct de Saint-Tropez, il fait beau, rien de mal ne peut nous arriver. Et on est très content et on se retrouve dans des nouvelles émissions et on va quand même faire en direct un petit plongeon pour le magazine Playboy. Chers amis, salut et prépare-vous.